met your father. Let's do this. Wow. Singa bataille, y'a mon temps.
Influenceuse blogueuse d'état, parce que moi je suis plus la catégorie, les petites catégories de Facebook. Oui, ça se passe comme ça. Ce soir, vous savez que c'est parce que c'est bleu. Je croyais que j'étais déjà bleu, moi. La maison tient. Tu vois, j'arrive. Le sac ici là. Assois-toi ici. C'est comme. Ne parle pas dans les choses. C'est quoi? Tu dis tout à l'heure, tu dis c'est quoi? M'a dit d'abord, après je reviens. Je suis dans les directs, dès que je sors. Plus moi ma paix m'a zéro paix parce que j'aime pas la paix parce que il y a une paix d'hypocrite ici dans les réseaux sociaux parce qu'ils veulent partir un côté pour former une alliance de merde, une alliance de l'hypocrisie des réseaux sociaux. Moi je suis une opposante à tout cela, donc voilà, je ne suis plus stable à Qatar, je suis une influenceuse blogueuse d'état, que ça les plaise ou pas. Elles ont des millions de vues. Moi, je n'ai pas encore des millions de vues. Et je ne suis pas pressée. Et ma page va être monétisée bientôt. Je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée. Vous comprenez? Que vous dites? C'est des temps si j'entends parler un peu de moi partout. Hein? Les arrachés du deuil des deuils à Paris parlent de la veuve joyeuse. Les gens qui ne se connaissent même pas combien coûte un sac de ciment parlent de la veuve joyeuse. Les gens de petite base, la basse classe, parlez de moi. Et maintenant, parlez-y. Continuez. Insultez-moi. Parlez de moi. Au contraire, quand vous m'insultez, quand vous parlez mal de moi, moi, je prends l'ascension.
Parce que pour l'instant, vous et moi, on n'est plus de même catégorie. Ça, c'est une écharpe qui me définit. Vous comprenez cette écharpe? C'est-à-dire que quand je vais aller, même pour saluer Macron, je dois porter cette écharpe. Et oui, c'est comme ça. Là où, dans toutes les soirées que je vais aller, sauf les deuils, je ne porte pas ça. Les soirées que je vais aller dans le monde entier, je veux tuer ma belle robe avec mon écharpe d'influenceuse d'État. Et je danse devant vous, que ça vous plaise ou pas. C'est comme ça. On ne peut pas rester star blacata infiniment. Parce qu'on dit star blacata, ça apporte quoi les blacata? Choses ont apporté quoi dans les réseaux sociaux? Hein? Vous avez évolué avec les blacata, choses là. Quand on dit influenceur, influenceuse, blogueuse, voilà. Mais c'est ça. De voir vos choses là. Oh, t'es là déjà avec telle personne. Moi, je ne me rallie avec personne. Moi, c'est la guerre mondiale. Que quoi? Je ne suis ami avec personne. Comprenez-vous? J'ai atteint un statut que je n'ai pas besoin d'aller raconter l'habitude dans les réseaux sociaux avec les autres stars blacata. Ce sont les stars blacata, oui. Si je les vois, si je veux, je les salue. Si je veux, je ne les salue pas. D'abord, tout le monde est au courant que moi, dans une soirée, c'est rare que je salue les gens. Parce que moi, je me prends. Je me sens. Mais c'est vrai. Je ne vous mens pas que hein, je salue tout le monde qui est autour. Je vois une star blacata comme ça, je ne viens pas avec toi. Ça n'a pas arrivé que lui, on est dans une même piste, on s'amuse, lui, on se salue, on s'embrasse, lui. Mais que toi, tu es assis là-bas, moi, je suis assis ici, et je me lève pour venir te saluer. Que qui est mort? Le roi de démon est venu de la tombe pour qu'il vienne te saluer. Il faut se donner de la valeur. I am a woman. I am intelligent a woman. Alors, je vais me lever pour venir te saluer par rapport à quoi? Déjà qu'avant, je ne voulais pas vous saluer. Pour vous saluer, c'est maintenant que je vais me lever. Maintenant que je suis devenue influenceuse d'État là. Ouais. Il fait très chaud. Il faut que je mette le vent de sang, mon imam. Il fait chaud et. Il faut qu'Alice vienne m'arranger le ventilateur aussi parce que. Pourquoi vous me mettez. Il fait chaud, hein. Je vous dis que tout à l'heure, là, je suis parti. Quand je suis parti travailler, elle a fait mes petits coups, c'est tout. Maman, la pluie m'a tué. La pluie m'a tapé. Je ne sais pas cette pluie qui est en face de l'intensité. La pluie, la tombe à grosse goutte. Je vous dis. Je vous dis. La pluie, là. Maman, ça m'a chaud. Je dis qu'elle venait de me réveiller comme ça. Une influenceuse de blogueuse état, de mon niveau. Vous croyez que vous allez faire des alliances à deux balles pour tuer la veuve? Je suis facile à tuer. Le caïman est facile. Mes pieds d'abord sont les pieds du caïman. C'est facile de tuer le caïman. Vous vous amusez, hein? Il faut applaudir l'influenceuse blogueuse de l'État. Est-ce que c'est facile? Là, je vais le vendre 100 millions. Oh, Adiana! Je vous ai dit qu'ici, il y a tout. Le vent du sud, le vent du sud. Le vent de Saint-Méliman, le vent de Saint-Méliman. Les fiancés se progressent l'état de Saint-Méliman. Je vous salue les gens de Saint-Méliman. Je vous salue les gens d'Akone. Eh, je salue. Mais ceux qui pèsent le poisson à la troisième rue. Je salue tous Samolima. Samolima, oye, Samolima, oye. Mon abandon à Samolima, mon influence d'État. Donc, j'ai appris quelque part que je fais honte aux filles pour nous. Quelles boules s'agit-il? Les boules de quel pays? Et vous, les sanagènes, et puis je fais honte au bout de sa moulima, moi aussi. Là, tu es malade. Parce que pourquoi il commence à saluer comme ça? Je suis célibataire, hein? Je salue tous les boulots du monde entier. Parce que la charité doit commencer par soi-même. Mon bon boulot, il y a 100 millions, mon bon don. Mon bon don, il y a peu. Comment ça se peut? Hein? Voilà de manière communément là, veuve joyeuse.
dans mon influenceuse. Influenceuse de star. C'est moi qui étais à la Cannes, à la fameuse Cannes. Que c'est resté dans les années de la République, parce qu'aujourd'hui on pense toujours à nous. Donc c'était moi. Voilà, c'est moi qui étais dans la baignoire. Et malheureusement, la baignoire, ça s'est passé ici. Ça ne s'est pas passé au Mont-Fébé. Donc pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, je me présente. Je suis parmi les trois blogueuses d'État. C'était moi la veuve joyeuse, j'assume. Oui. C'est moi qui ai dit que j'ai un statut de président. C'est moi. Donc à partir de maintenant, je me présente vraiment pour me respecter. C'est un peu n'importe qui peut dire qu'il y a un statut de polvia. Je me présente. Bilo et Fou Elisabeth. Et le diable le. Donc je me présente à ma famille pour nous. Voilà. La boule de Guinée équatoriale. Mboulano. Boule du Gabon. Mboulano. Boule du Yakabo. Donc je me présente aujourd'hui en tant que fiancée d'État. Blogueuse à fiancée d'État. Une fille d'une boule de 100 millimètres. J'ai considéré le stade. Je suis encore en construction pour mes ampoules rouges. Moi, je ne blague pas. C'est bien moi, je me présente, je dois me présenter devant vous. Je me présente à tous les femmes. À tous les femmes du Cameroun. À tous les... Bon, faut que je sois sérieuse quand même. Les écrans du Cameroun. Je vous représente en tant que blogueuse et fiancée d'État. C'est moi qui vous représente. C'est ça. Pas les autres là qui font des histoires, les réseaux sociaux là. Parce que moi, je suis sec. Donc, je suis votre fiancée du côté de ce camp. C'est la première chose qui est là. Que ça vous plaise ou pas. C'est comme ça. On met des musiques, non? Voilà. Mon nom, les camps. Mon femme, les camps. Voilà, c'est moi. Mon enfant, mon gars. Maman, bonne si. Que ça vous plaise ou pas. Quand vous dites que je vous représente, pas c'est votre problème, mais je vous représente dans bien. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez que m'accepter que quoi. Avec le vent de sang, Bolima. On ne doit pas encore les camps. Ah non, on va danser ce soir. J'aime tout le pain ici. Les glaces Ferrero Rocher, un plaisir onctueux, délicieusement unique. Ma chérie, comment tu me coupes le direct comme ça? Oh, voilà les choses que je n'ai pas. Tu vois que c'est en direct, non, chérie? Vous savez que les vieux téléphones ici. Voilà. Quand il m'a demandé que paye-moi les téléphones ici, en tant qu'influenceuse, vous n'allez plus payer les téléphones. Voilà, maintenant, tu n'es pas digne de venir appeler maintenant. C'est un nombre de téléphone. Et il n'y a plus la musique. Ouais. Faut pas me chercher. Voilà comment vous êtes avec moi, vous voyez? Je suis là dans la joie, maintenant tu viens maintenant casser mon tour, maintenant le téléphone ne s'allume plus. La veuve, vraiment. Ma part n'est jamais bien. Oui, j'ai bien que ça ici. Chère patiente et patient, vous qui avez perdu la marche. Comme je vous disais, je me suis présentée en tant qu'influenceuse blogueuse d'État de Facebook et du Cameroun. Oui, parce que l'histoire s'est commencée au pays. Oui. Donc je fais partie l'une des femmes qui était à la Cannes. Oui. C'est moi que vous avez coupé la vidéo. Ça s'est passé ici, à Saint-Barthélemy. Vous avez coupé, vous êtes parti mettre là-bas pour dire que c'était à Saint. C'était à quoi? À Mont-Fébé. Vous m'avez fait ça dur. Sans ça, vous avez interviewé deux influenceuses d'État. Donc moi aussi, j'exige que vous. J'arrive au Cameroun, vous m'interviewez aussi. Je donne aussi ma part de vérité sur ça. Il y a trop de vérité dans cette histoire que. Parce que cette histoire restera dans les annales. Parce que les Camerounais ne regardaient plus le football.
on regardait que les influenceuses, les injures que moi même si j'ai eu. Si vous étiez au Cameroun, si j'étais aux États-Unis, ce que je suis milliardaire avec ça. Je vous mens pas que ça vous mentit. Si j'étais aux États-Unis, ce que je suis milliardaire, ce que l'État camerounais allait me payer. Vraiment. C'est quoi ça? Vous voyez? Mais vous avez pu me détruire. Vous ne m'avez pas détruit. C'est pour ça aujourd'hui que je réclame que je suis influenceuse d'État du Cameroun. Oui. Parce que ça se passe là-bas. Je fais partie des trois influenceuses qui étaient là-bas. C'est moi qui étais la baignoire. Ça se passait ici dans mon bungalow aussi. Ça ne s'est pas passé au Mont-Ferré. Ça se passait ici. Vous avez pris ma vidéo. Vous avez coupé la vidéo. Allez mettre pour dire que c'était au Mont-Ferré. La chambre que j'étais au Mont-Ferré. Hein? Est-ce que quand j'étais au Mont-Ferré, et la chambre là, il y avait la baignoire là-bas. Ou vous avez confondu entre la piscine et la baignoire parce que vous ne comprenez jamais rien. Je peux vous porter plainte. Parce que l'état du Cameroun doit me dédommager. Oui, je viens doucement. Parce que ces humiliations là, je ne sais pas là où ça sort. Quelqu'un vient t'insulter chez toi, que tu la pute de telle personne, tu réponds. On prend, maman les injures de ça. Tu connais, vous connaissez notre tribu, la tribu des bêtises. Là, on est sans femme là, les drogués, les prostituées, c'est elle qui te permet de parler comme ça au chef d'État et tout et tout. Vous-même, vous allez qui? Parce que l'histoire, ce n'est pas encore fini. Hein? Je veux passer à la CIATU. Moi, je passe par la vision 4. Parce que la vision 4, c'est pour les prostituées. Moi, je passe à la CIATU. Parce qu'il faut que je parle ma part de cette histoire. Je suis fatigué de cette histoire. J'ai fait la prostitution avec vous. Si vos maris ne vous niassent plus là-bas, ça c'est votre problème. Moi je nage ici chaque été. Comme l'été arrive là, je porte mon maillot, moi je pars à Saint-Barthélemy. Tout le monde le sait. Je suis en train de nager ma part dans ma plage privée. Les gens viennent m'insulter que je suis la plus de tête président. Je réponds aussi à ma façon. C'est ça que vous prenez, vous coupez. Pour dire que c'est au Mont-Ferré. Franchement. J'ai l'air toujours, toutes mes vidéos sont là. C'est n'importe quoi. Qui ignore comment je nage souvent ici. Il manque seulement le string que je ne peux pas montrer. Ça fait des années que je nage dans mon Saint-Barthélemy. Vrai ou faux, quand j'étais encore belle tout mince. Ça fait des années que je fais ce genre de choses dans ma baignoire. Je peux vous porter plainte, hein? Surtout les journalistes avec vos bouches comme les bonobos là. Les grands-pères comme ça. Ils ne vous assoient dans les chaînes de télévision à la con. Ils sont arrivés comment pour venir marcher un truc. Les peuples camerounais dans la pauvreté et vous évitez des influenceurs. On était invité par. J'ai dit que ça commence doucement, doucement avec moi. Je vais finir avec vous. Parce que je crois que c'est rien que moi, ce que vous n'avez pas encore interviewé. Pas ce que les autres la font là. La chaîne camerounaise va parler de moi encore plus que ça. Ça va rester dans vos annales, vous ne me connaissez pas très bien. En tout cas, je vous ai prévenu, en tant que blogueuse et influenceuse d'État, parce que c'est vous aussi. Si le Cameroun a perdu, on dit que c'est à cause de nous. On est en train de voir les scènes de la veuve joyeuse, ou les fêtes de la veuve joyeuse, là où je fais comme ça la baignoire. Parce que ça vous intéresse. Ça vous intéresse. On allait supporter les autres footballs, pour le faire seulement dans les internets. Pour regarder qui est la veuve joyeuse, pour regarder les fesses de la veuve joyeuse, pour regarder. Le Cameroun a échoué. Ça me regarde. Sans compter les stars bracata poisson, ceux qui sont repartis là-bas avec la poisse. Maman, la poisse, c'est ça. Hé. Moi, je suis pas une poisseuse, hein. Donc, là, il y a les petits maillons des sous-quartiers là qui me parlent là. Hein? Quand mettez-toi à 2h du matin, on va t'insulter. Je ne suis plus comme vous. Je suis influenceuse blogueuse d'État. Je dis Yami, fine. Insultez-moi. Vous avez dit là, monsieur Nathalie, quoi, répond. Je vais te dire comme ça, mais quand vous m'insultez, je ne vous réponds pas. Parce que je veux prendre une autre dimension, une autre valeur. Et que c'est n'importe qui est influenceuse d'État, blogueuse. Mais ça, c'est un titre honorifique. Donné par moi-même. Oui. Comment? Vous croyez que je vais vous attendre que c'est vous qui allez me dire que je suis blogueuse de l'État? Jamais. Moi-même. On dit que la charité commence par soi-même. Toi, tu commences à faire ta chose, après, le reste arrive derrière. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas, mes warous?
Alors voilà, tout est fait. Hey, la tour Eiffel est contente. Même la tour Eiffel célèbre ma nomination aujourd'hui. Qui? Oh, la tour Eiffel célèbre la nomination de la veuve joyeuse. Oh, ma tour Eiffel. Maman, le quartier, si, il y a même personne qui marche ici. On a semé les lumières ou quoi? Oh, la tour Eiffel célèbre. Ouais. Marie-Flor Ndjonan. Je n'étais pas appelé papi à qui m'allumer. Il allume qui? Qui l'allume encore plus que ça? Je suis blogueuse influenceuse de temps. Va lui dire ça. Va dire à papi Lochanque, hein? Je suis influenceuse blogueuse d'État. Tu entends? Et je vois la tour Eiffel chez moi. Je ne suis plus, je m'en fous. Qu'il m'allume. C'est ce que vous attendez pour m'allumer. Je ne veux pas lui répondre. Oui. Moi, je vois la tour Eiffel. Hein? Je vois tout Paris. Regarde comment Paris est beau. Vous voyez? Je sais pas aujourd'hui, ça ne brille pas trop aujourd'hui. Pourquoi? Tu entends? Vous n'allez que parler de moi. Je suis une star. Que ça vous plaise ou pas. I am the star. I am the prêtre pour vous. Il ne répond pas. Aux gens qui mettent les doigts dans les fesses des petits enfants, des petites filles. Tu entends, non? Donc, on va lui dire ça. Que je suis, il sait qu'il est là, il me regarde. Je suis là, chez moi. On s'en branle, on s'en fout. On va lui dire qu'on s'en branle de lui et on s'en fout. Moi, je suis là. Je suis avec la tour Eiffel. Entendez? Papi a dit que l'autre a dit que... Ce papi de l'argent, c'est qui? Un gars que ça passe dans tous les petits trucs des sous-quartiers. Hein, c'est qui? Grâce à ta soeur Aline. Aline, c'est qui? C'est ma soeur. Ce n'est pas grâce à elle, désolé. Tu entends, non, cela n'a jamais été elle. Ce n'est pas Aline qui m'a fait partir au Cameroun. Je suis à location, ça fait quoi? Ce n'est pas, je dis et je répète que ce n'est pas Aline. On m'a choisi. On m'a choisi, ce n'est pas Aline. Si on est passé par elle, ce n'est pas Aline. S'il fallait que Aline, Aline ne peut pas me choisir, Aline allait choisir Kankam et Lolo. Moi, elle n'allait pas me choisir, c'est elle qui choisissait. Pourquoi elle n'a pas choisi ses soeurs, les Valérie Amourou? Pourquoi moi? Parce que moi, j'ai été choisi, on voulait me voir là-bas, c'est tout. Il faut qu'elle comprenne ça une bonne fois pour toutes. Je vous montre ma tour Eiffel, vous avez ma tour Eiffel. Mais ma tour Eiffel est contente, ça brille ce soir, comme des diamants. Bédé, je veux tous vous bloquer dans un bon bande d'idiotes. Donc, c'est, tu crois que l'histoire est vraie, hein? Que c'est grâce à qui? Grâce à Ali? Je suis désolé. Hein? Ce n'a jamais été Ali, non? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai été choisi. Et je le dis et je le répète. Donc, vous dites là que grâce à Ali, par rapport à quoi? Oui, elle a, grâce à moi, elle a perdu tous ses numéros. C'est bien fait pour elle. Oui. Les gens parlent avec sa grande gueule là. Là, voilà aujourd'hui, elle n'a plus aucun numéro. On vous a dit quoi? Vous venez parler de la veuve joyeuse. Quand je parle, quand elle fait mes vidéos, pardon, elle ne venait pas me déranger dans mes choses avec les noms nauséabondes. On vous a dit qu'on me prend n'importe qui, n'importe comment. Moi, je suis une personne que c'est rare. Quand une personne me parle à WhatsApp, que je réponds, je vais d'abord regarder qui est cette personne parce que j'ai peur de parler à WhatsApp. Si je parlais avec eux, ce que je suis ami avec eux depuis. Ce qui n'allait pas passer derrière Aline, grâce à Aline. Aline peut me présenter qui à qui. Voilà sa soeur qui chante là-bas au Cameroun. Elle n'a pas présenté ta soeur. Voilà son frère qui chante au pays, rien. C'est moi qui va venir présenter. Hein? Même le nom Fouda, c'est moi qui a demandé que pardon. On prend le nom Fouda. Oui. Après, on ne voulait même plus le nom Fouda. Elle voulait maintenant prendre le Flore de l'île. C'est moi qui a dit que jamais Flore. Ça s'est passé comme ça. Tu entends? Un moment, elle m'a appelé pour dire que non. Elle ne veut plus que Flore soit avec nous. Vous ne connaissez pas comment les gens font ici dehors, hein? Donc, parlez souvent pour vous ici sur les réseaux sociaux. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous vous taisez. Vous entendez? Je n'ai pas encore donné ma vraie version, vous allez comprendre la vraie version un jour. Parce que toi, s'il y a trop de versions sur ça. Je mets mon banc de sang à côté. Je suis chaud. Vous entendez, non? C'est du n'importe quoi. Grâce à... C'est toujours grâce à telle personne. Et à l'homme, c'est grâce à elle. On est passé par elle pour m'avoir parce que je ne suis pas une personne facile à voir, à parler au téléphone. Vous comprenez? J'ai dit que le tout si. Moi aussi, je vais aller à France 24. Ma papa va sortir à BFM TV. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Quand ça se passe comme ça?
J'avais peur des gens. C'est grâce à toi. Donne-moi. Toi, tu as le réseau. Tu n'aides pas ta propre famille. Hein? Les gens qui ont tout au pays, et droit cadu, l'argent et tout. Ta famille, elle a ta soeur, elle a fait la borderie, elle a les diplômes, elle ne trouve pas le travail. Hein? Tes frères sont là. Il y a les militaires, la gendarmerie là-bas pour faire des dossiers, rien. Vous ne savez même pas là où j'ai. Il y a où on a mis les pieds. Hein? On était que roi en haut. Tu es comme moi. Je connaissais un grand réseau comme ça, ma famille souffre. Que je dois encore préparer une souris ici pour envoyer 50 euros au pays. Non. Parce qu'Aline est bête. Aline est une femme égoïste. Elle pense qu'à elle. Elle pense à elle. Au début, même sa soeur Solange là. Même sa soeur Solange était dans le groupe. Hein. Même elle aussi a eu l'argent. Hein. Sa soeur Solange a eu l'argent. Hein. Tu attends. C'est que aux États-Unis, comme elle n'a pas tous les papiers, parce qu'elle aussi, depuis qu'elle est partie aux États-Unis, elle n'a jamais mis les pieds au pays. Elle parlait seulement de whatever, dans le téléphone, à WhatsApp, à machin, tout. Heureusement, Karine est vraiment une femme. On lui a demandé que tu veux, elle a dit que pardon, on arrange la maison du père. On a arrangé la maison. C'est, vous savez, il y a beaucoup de choses. Je dis que le jour que moi, si on me dit que la femme, je dis, viens t'asseoir à la télé. Maman, je dis, la télévision va être chaud. Je veux sortir ma part de version là-bas. On va dire que non, la femme, si tu es forte. Vous ne me connaissez pas très bien. C'est du n'importe quoi. On vous a dit comment je parle de colonie, maman. Je veux parler de A à Z. J'ai dit que je suis l'influenceuse de tous les bêtises. Mbrakata. Moi, pas les bêtises, Bakata. Je suis l'influenceuse blogueuse d'État. De tous les écarts. Ici à Facebook, j'ai dit. Et je proclame que c'est moi. Abimte, que ça vous plaise ou pas. C'est comme ça. C'est moi. Une influenceuse d'État. Le voyage de ça en première classe. Les humiliations de ça. Vous croyez? Je vous dis que hein, ce n'est pas fini. Vous ne mettez plus le cœur. Vous ne pouvez pas laisser la page sans cœur. Si vous laissez la page sans mettre le cœur, ce n'est pas bon. Parce que j'ai souvent l'impression que quand je parle, vous êtes tellement. Je vous hypnotise. Vous n'arrivez même pas à appuyer le cœur. Que ça va fuir. Ça ne va pas fuir. Vous mettez seulement des petits cœurs. La page vit avec les cœurs. C'est tout. Vous mettez les petits cœurs. Nous sommes vus. Mais attends, vous êtes combien? Il y a 100 personnes que je vois qui me regardent là. Sur les 100 personnes qui me regardent là. Même s'il y a même 50 personnes qui mettent seulement les cœurs, ça va seulement être saturé de cœur. Mais d'autres qui sont là, on s'en fout, on ne met pas. Mais c'est votre problème. Mais ce n'est pas pour ça que ma page va finir. Moi, j'ai jamais 10 000 abonnés. Hein. Attention, be careful. Bientôt, ça va être monétisé. Hein. Influenceuse d'État. C'est tout. Je suis l'influenceuse d'État de tous les warriors du monde entier. Je suis l'influenceuse d'État de tous les gens qui m'aiment. Oui. De tout le monde entier qui m'aime, oui. Mais avant tout, first, je suis l'influenceuse d'État des écarts et des bêtises. C'est tout. Abimte et les boulots. C'est tout. Le reste, là, vous venez après. On s'impose. Dans la vie, si tu ne t'imposes pas, tu vas faire comment? Dans la vie, il faut savoir s'imposer que c'est moi ici. Et ça, je veux porter ça partout. Partout où je pars, je porte ça, je m'impose. Si vous attendez que... Quand tu attends que c'est quelqu'un qui va venir te faire... Non. Toi-même, va de l'avant. C'est comme ça que ça se passe. Je m'impose en tant qu'influenceuse, blogueuse d'État. C'est mon nouveau statut. Donc, les petits gens, abe papi, abe labe, ça, mais abe ça, abe ça. Les petits gens qui me disent ça, mais qui... Moi, j'ai besoin qu'on parle de moi. Parce que si on parle de moi, ça veut dire que j'existe. Hein? Je veux qu'on parle de moi, je suis une star. I am the star. Même quand on insulte mes pieds de crapaud, ce n'est pas grave. Mais mes pieds de crapaud, s'ils marchent partout, ça voyage dans le monde entier. Nous, on a notre un beau-là. Alors, donc je veux voyager, laisse mes pieds ici. Jamais, nous tous sommes pas ensemble. Et je veux nager avec mes pieds noircis. Au Hilton. Partout, je nage avec Aquaparas. Que dans les endroits chics. Vraiment, ce n'est pas... Calmez-vous. Mais si tu es une star et qu'on ne parle pas de toi, ça veut dire que tu n'existes pas. Hein? Bah oui, c'est comme ça. Si on parle de moi, parce que je maman, quand c'est facile à Facebook, ce n'est pas facile. Moi, je suis ma zéro paix. Que les gens me flampent autant qu'ils veulent. Oui, ça arrive. Ça va changer quoi? Tu me flampes là-bas, moi j'ai beau mon moscado ici. Oh. C'est ton problème là-bas. Tu vas me dénigrer quoi? Dans quoi? Quand on va voir là où tu me dénigres, on va aller voir. Tu vas même faire en sorte que les gens viennent regarder ma page.
On appelle cela, vous voyez, c'est un corps de suite. Tu vas venir trouver que toi tu m'insultes là-bas, tu prends la sueur. Ta bouche sort comme pop 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 pour m'insulter. Moi je mange les huîtres. Je bois mon vin champagne. Je bois dans le. Je suis dans la haute classe. Toi tu es là de m'insulter dans le soleil. C'est ton problème. On n'est pas du tout pareil. Vous voyez, moi je bois le champagne avec élégance. Je bois mon muscador avec élégance. Buvez alors le muscador, vous pouvez boire comme moi. Dis donc, c'est une influenceuse d'État. Ta influenceuse. Mes ayam frères, mes ayam sœurs. Je suis l'unique influenceuse d'État, blogueuse de Facebook. Il ne discute avec personne. Il ne discute avec personne. C'est tout. Ça ne paye pas le courant, ça ne paye pas le loyer, ça ne paye rien. Mais c'est quand même un titre honorifique. Vous allez me faire quoi avec moi? Vous allez me tuer? Vous allez faire quoi avec moi? Mais vous voulez me quoi la veuve? Hein? Vous allez me faire venir pour me dire une de ça d'abord. Vous allez me faire quoi? Moi j'anime un peu Facebook. Moi j'anime Facebook. Vous animez Facebook avec quoi? Avec les histoires nauséabondes, pata 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 pata. Moi je mets la musique, je fais rire les gens, j'ai ce don de faire rire les gens, je mets les gens de la bonne humeur. Là c'est déjà quelque chose. Vous là, vous faites quoi aux gens? À part que, on a dit que Sandy Bosson a dit que quoi? On a dit, je m'en fous. Les bêtises, les boules qui me détestent là, allez aux chiottes. Je vous dis allez aux chiottes parce que je ne vous regarde pas, vous ne me regardez pas. Je ne suis pas comme vous, on n'est pas pareil. Vous n'êtes pas des femmes ambitieuses. Vous n'êtes rien. Vous êtes les suiveuses. Ah. Tu ne sais pas cuisiner. Il n'y a plus les gens chez toi. C'est votre problème. C'est vous qui savez qu'il n'y a pas les gens ici. Pourtant, il y a des gens qui vivent ici. C'est votre problème. Mais vous êtes obligé de me regarder. C'est comme ça. Parce que quand vous ne me regardez pas ici, vous allez me regarder dans mes vidéos à YouTube. Maman. Tant on parle avant, même s'il y a 2-5 commentaires, nous abordent. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre de vous. Mais vous n'êtes pas obligé de faire que quand vous attendez que la veuve Joël a fait ceci, vous partez regarder parce que vous êtes derrière moi. C'est moi qui vous commande. Eh, c'est honte au boulot. Quel boulot je fais honte? Je fais honte à quel boulot? À quel niveau? Vous avez une fille porno à Facebook? La veuve femme qui fait honte au boulot, c'est Marie-Christine Boumouzen. Elle dit qu'elle est écrivaine, elle devait être mère de Belfort. Tu es arrivé à Belfort il y a combien de temps? Regarde-moi celle-ci. Hein? Elle devait être mère à Belfort, elle devait être. Quoi? Elle a choisi 3 livres. Est-ce que tu dis de tes livres? Elle dit, ce sont les best-sellers. Tu as pris le prix où se posent les prix là. Tu as pris le prix de. Comment on appelle ça? Le prix de la paix. Ou de la paix. Tu as pris ça? Tu as. Entre ta bouche intellectuelle du sous-quartier. Tu n'as même pas fait l'université. Hein? Voilà mes amis du lycée. Bah, ton niveau, c'est le lycée. Tu as la chance que tu sais bien parler français, c'est tout. Il y a des gens comme ça que les français captent dans leur bouche. Donc, les français à capter dans ta bouche, c'est tout. En dehors de ça, il y a quoi? Il y a quoi? Après les petits gars que tu fais, les petits blancs que tu prends, les fumiers là dans les. Tu prends un petit gars avec qui te fait le covoiturage pour t'amener là où tu fais la puterie, tu dis que c'est ton gars. C'est quoi ça? Présente-nous un vrai blanc. Hein? Va dans le monde des écrivains, sont les intellectuels. Tu as fait le marché du livre. Tu as vendu combien de livres? Je ne parlais même pas que 2 livres. Là, c'est une comme veuve joyeuse. Bien, oui, n'est pas là. Je ne vous laisse même pas. Attends. Mais lâchez-moi. Vous me détestez à ce point-là. Mais je suis une influenceuse blogueuse d'État. Oui. Aujourd'hui, je suis connue au Cameroun. On me connaît. On sait que voilà, veuve joyeuse là-bas. Voilà quelqu'un qui me détecte de moi. Vous êtes là, vous ne chassez pas. Regardez. Je vais te bloquer après. Que ça te plaise ou pas, je suis blogueuse et influenceuse d'État. Mets ça dans ton derrière, dans bon. Vous entendez la jalousie va vous tuer. Regardez-moi les petits gens. Les basses cales, la basse cour. Influenceuse d'État, ouah.
que ça vous plaise ou pas. Je suis une jeune fille écan. Une jeune fille boulou. Oui. Je suis écan. Je suis petit. Et je revendique. Que chaque personne revendique sa part. Mais je suis camerounaise. Je suis une camerounaise à tout prix. Camerounaise. Et tous les camerounais qui m'aiment, bienvenue dans mon royaume de joie. Vous comprenez, non? Oui. Quand l'histoire s'est commencé ici là, tout le monde m'a mis. Je dis que de tous, je vais exiger comme entendez-moi aussi. Que je vais expliquer ma part d'histoire. Pas les gens qui viennent dire que m'a fait ceci, on m'a fait cela. Vous êtes devenus quoi les enfants? Pardon, je ne suis pas parler mal parce que je suis en tant qu'influenceuse des blogueuses d'État, donc je dois pas trop parler mal, je ne dois pas trop insulter les gens. Vous comprenez? Donc je dois être dans mon statut. Voilà. Je dois être dans mon statut. Statut d'influenceuse. Oui. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui regardent mes vidéos. Et puis même quand ils regardent mes vidéos, ils rient beaucoup plus que de me détester. Il y a beaucoup de gens qui adorent mes vidéos parce que je fais rire les gens. Moi, tout le monde, quand je raconte les gens. Oh ma veuve, merci. Merci. Au moins toi-même, tu nous fais rire. Ça me fait plaisir parce que moi, je vous fais plaisir. Moi, j'ai quoi en retour? Rien du tout. Je n'ai rien du tout. Hein? Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, on va continuer notre joie de vivre parce qu'il faut qu'on continue. Ouais, je te dis, tu as raison quand tu poses une musique. Mon ami nous l'a dit donc. J'ai dit que laissez que le jour que je veux parler. Vous savez, quand j'étais devant au Cameroun, avant de faire une vidéo d'abord au Cameroun, il faut que je fasse très attention. Je dois d'abord bien. Il faut qu'on me prépare d'abord bien. Parce que. Ah, les Camerounais vont se plier les joues là sur eux comme ça deux fois. Que la femme se sort d'où? Pas vos choses là. Oui. Je suis Marie-Christine Bomzen, écrivaine, romancière, machin, humoriste. Yeah! Je veux encore l'histoire sur l'histoire. Elle dit qu'elle a fait l'humoriste, l'humour. Hein. Elle a fait dans un petit village là. Et avec les voisins et les chiens et les chats qui étaient là, elle pensait peut-être que quand on va allumer la lumière, qu'il y aura du monde. Maman. Dans la lumière, il y avait une personne assise. Il y avait 10 personnes, avec les chiens, les chats. On devait donner le truc. Ça, ce n'est pas humiliation, ça. Tu n'es jamais connu, tu n'as jamais été connu nulle part. Les Camerounais ne se connaissent pas. C'est maintenant que les Camerounais te connaissent. Tu as écrit tes livres à l'époque. Est-ce que tu as pris le prix Goncourt? Tu as pris quoi? Tu as écrit quel best-seller? Moi, j'ai le best-seller ici. Moi, je lis à mes heures perdues, je lis. Parce que mon mari, c'était un intellectuel. Lui, ne regardait pas la télévision. Lui, il passait son temps seulement à lire. Oui. J'ai tous les livres ici. Moi, ceux qui regardent la télévision. Mais même mes enfants ne regardaient pas la télévision. Hein? Tu parles de quoi même? Les intellectuels, à quels intellectuels regardent Facebook? Les intellectuels, ils lisent. Tu vas dans leur bibliothèque, il y a les livres. C'est la connaissance. Toi, tu es là avec Facebook. Ah, mais quand ils sont rouges, ah, mais ça. On est là comme ça. C'est du n'importe quoi. Tu connais le monde que je passe souvent quand je partais encore? Quand ils vont commencer à partir là? Tu connais mon monde, moi? Viens me voir. Je t'amène dans un beau monde. Quand tu vas ici, tu vas dire, voilà les vrais gens. Tu entres dans une maison, tu vois les tableaux de maître, les Picasso, les Dali, les machins, les Frida, machin. Tu vois les tableaux. Tu restes comme ça. Les directeurs des musées. Tu connais quoi? J'amène souvent certaines filles ici à Chalélysée, elles ne connaissent même pas. Ouais. Mais les gens de ça vous dépassent à partir. Vous ne parlez pas avec vous. Non. Le monde de l'art, c'est le monde de la connaissance, c'est le monde des intellectuels. Hein? C'est le monde là-bas, le monde des livres et tout ça. Des écrivains et tout. Toi, tu as écrit quoi? Le porno? Le caleçon vert? Si tu viens parler avec vous, joyeuse. J'ai dit que chaque temps. Eh, hey, Linda Monnery, moi, tiens, c'est comment? Non, maman. C'est du n'importe quoi, moi, tiens. Faut pas trop souvent venir énerver les gens dans les réseaux sociaux. Hein? Moi, j'ai dit que je suis fiancée de blogueuse d'État, Habimté. Je vous demande rien. Parce que moi, je suis ma PCS. Tout le monde qui m'envoie les PCS, ça a déjà un problème aujourd'hui.
Rembourse-moi mes pesos. Je ne rembourse rien. Même Linda, je te rembourse pas. Parce que moi, je... Comment va la Corse? Tu es en Corse, non? Linda, mon riz en Corse. Comment va notre père? Et ça fait me comment? Pas ma Gouya va bien. Eh, Facebook, si, il y a des choses ici à Facebook. Dieu Cyclone va bien. Comment va Dieu Cyclone? Vous êtes encore, je vous ai vu en Corse aujourd'hui. Pas Dieu Cyclone. Là, j'arrange l'écharpe. Oh, le monde influenceur de blogueuse d'État. Je vous dérange à quoi? Moi, j'ai dit que je suis mon influenceur blogueuse d'État. Abimité, mon djang. Mais il y a, j'ai un bon mot, j'ai l'autre. C'est toi l'intellectuel. Félicité Onana. Je suis une intellectuelle à mes heures perdues. Mais je suis très intellectuelle. Oui. Il ne suffit pas les intellectuels. Ne viennent pas créer les réseaux sociaux. Hein. Je suis intellectuel parce que vous parlez bien français. Vous êtes sûr qu'on peut parler le même français quand on va arriver dans une interview? Non. Moi, je parle français de bac, bac, de bac, de moi, je me comprends bien. N'allez pas formuler les phrases que vous-même, vous êtes incapable de comprendre ce que vous dites. Tu m'entends? Je suis une intellectuelle. Et je tiens mes discours. Je ne suis pas sûr que si on te place avec moi là, tu peux me parler fort là où tu es là. Mais tu as beau manuel, un mousaret. Un peu intellectuel. T'as dit tout le monde me dit rembourse-moi. Les gens sortent les cartes PC. Est-ce que voici? Mettez même tous les cartes PC que je vous ai pris. Je ne fous, je ne vous rembourse rien. Maman, si tout le monde me demande, maman, je veux seulement aller en prison. Hein. Maintenant, les cartes PCS, mon erreur, cartes PCS, PCS. Je ne suis même plus à quête, mais maintenant je suis à RIA. Je suis maintenant abonné à RIA. Oui. MoneyGram et Western Union, voilà. Je ne suis plus maintenant carte PC. Laissez-moi avec ça. C'est comme si c'était une humiliation. Moudas à toi, je dis Moudas à Kokui. Carte PCS. Est-ce que je vous ai demandé de m'envoyer PCS? Ma soeur m'a donné ma soeur. Tu vois qu'elle m'a donné Oua, mon Jean. Après, toi et moi, c'est des virages, non? Est-ce que tu ignores quoi? J'étais quand même gentil avec toi. Hein? Parce que quand Doudou est commandé chercher ici pour te taper, moi j'ai dit que je ne connais pas là où tu habites. Hein? Je n'ai même pas donné ton numéro de téléphone. Hein? Donc il faut que j'aille. Ouais, Facebook, Linda Monnerie, en tout cas. Welcome. Je mets pause de publicité, pardon. C'est quoi? Intellectuel, c'est quoi? Vrai. Maman, intellectuel, c'est quoi? Intellectuel, c'est de penser que demain, je dois faire ça. Je peux faire ça. Hein? Tu me parles de Marie que je suis mousseline. Elle connaît comment coûte le sac de ciment. Si la gentille dame là du Cameroun n'allait pas arranger la maison là. Et puis qu'elle entend sa putain de sorcière, de soeur qui sont aux États-Unis, qui dit que oui, Aline avait pris l'argent où pour construire la maison là. C'est la dame là qui l'a conçu la maison parce qu'il fallait dire ce que tu veux. Hein? C'est du n'importe quoi ici à Facebook. Hein. Moi, j'ai pris comme ça. J'ai fait. Même quand on dit que oh, j'ai rempli là. Ce n'est pas grave. Au moins, moi, j'ai quand même fait tout un camp, toute seule. Et mes choses vont encore aller mieux. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne suis pas encore fini. Il y a des moments dans la vie comme ça que Dieu te met pas à côté comme ça. Je ne suis pas fini. Non, attendez, non. Ma vie va recommencer. Napian. Je ne vous dois absolument. Mais c'est quoi? Depuis là, tout le monde a fait. Elle va faire de l'île. Mais FD et les produits sont où? Les gens sont finis sur faire de l'île. Tu vas voir l'eau là-bas. Ouais, les gens sont finis. Nous sommes là-bas, je ne sais même pas. C'est quoi ça? Les stambracata. Vous êtes les brancata chose. Moi, je suis une influenceuse. Donc, on n'est plus dans la même catégorie. T'as foi? Laissez-moi tranquille. Pourquoi chaque fois quand Flore se rencontre avec l'autre, ça fait mal? Je ne suis même pas au courant qu'ils se sont rencontrés. Oui, je peux te dire, légionnaire. Parce que vu que hier, je ne suis pas parti au dé. Quand ils se sont rencontrés, je ne suis même pas au courant. C'est vous qui venez parler de ça ici. Mais s'ils se sont rencontrés, c'est leur problème. Ça ne me fait aucun mal. Parce que ce ne sont pas mes amis. Je ne suis même pas au courant.
D'abord, même, je pense que c'est la première, c'est même la première fois qu'elle se rencontre. Parce que la première fois qu'un homme faillit se rencontrer, la première fois que fait de lui de rencontre Lolo, c'était le jour que Lady Pons avait chanté à, là-bas. Et j'étais assis là-bas en haut avec les. Mais ça. Nous, on était assis en bas dans le bunga avec les petits pédés là. Comment on appelle on était assis là-bas en bas. C'est tout. Donc, si elles se sont rencontrées, ça veut dire que c'est leur première vraiment rencontre. C'est leur vraie rencontre là-bas parce que j'étais même pas au courant et ça ne m'intéresse pas. Ça fait mal à qui tu veux y annoncer qu'elles sont. Moi, je ne suis plus avec elle. Donc, elle peut même se rencontrer chaque temps. Ça ne me dit absolument rien. Parce que si j'étais au courant, vous savez pourquoi je ne suis pas allé au derrière? Parce que je savais qu'elles seront là-bas. Je ne voulais pas être là-bas avec eux. Je ne suis pas bête. Elles sont rencontrées au derrière là-bas, et non. Et puis, il y avait des gens à Paris. Regardez-moi très bien. Vous croyez que je me déplace n'importe comment? Il faut apprendre à me connaître. Que moi, je m'en vais là-bas parce que pour dire qu'elles sont parties là-bas uniquement parce qu'elles attendaient que je serais là-bas pour les voir ensemble. C'est uniquement pour ça. Ce n'était pas parce que la veuve joyeuse, ce n'est pas parce qu'elles sont à l'ODI. C'est tout. Tu crois que moi, la veuve joyeuse, moi, je devais aller là-bas hier. Ah non? Je suis très poli. Hier, j'ai envoyé mes 50 euros du dénom. C'est bon, non? Je suis obligé de partir. Ça appuie sur eux comme le. Parce que ça devait être une honte pour moi pour dire que oh, voilà les Ayam, ceux qui dansent ensemble. Jamais. Donc, vous connaissez à l'ODI? Je ne suis pas à l'ODI. J'ai porté mon cabaye ici. Regardez-moi très bien. Pourquoi je suis une star braquée? J'étais star braquée, je suis une influenceuse d'État. Tout se passe dans les WhatsApp. Mais je suis vraiment honoré. Si c'est pour la première fois qu'elles se voient, parce qu'elles se sont vues chez Abuchou quand elle rentrait du Cameroun, là, quand elle rentrait du Cameroun, quand sa soeur lui a fait cela, chaque personne était Iran-Irak. Donc c'est la première fois qu'elle se rencontre, parce que pour moi c'est vraiment la première fois qu'elle se rencontre. Parce que, et puis, si elle se rencontre, ça me fait ni chaud ni froid. Au contraire, je souhaite bonne chance dans leur bêtise, dans leur merde. Oui. Ça va me dire que non, toi aussi va être. Je m'en fous, je suis non grata. Je n'ai pas d'avis. Je suis une influenceuse, des influenceuses influences. On n'est pas là pour faire des amis avec les autres, les stars blacata, la basse ta, la basse cour. On n'est pas pareil, d'accord? Donc, tu es venu me dire qu'ils étaient allés ensemble. Ça s'est passé où? Au day, non? Alors, tu m'as vu là-bas? Tu m'as vu là-bas? Alors, j'allais de qui? Par rapport à quoi? On est pareil. Je suis une femme bêtière. Je suis une jeune fille étant. Je veux être jaloux de qui là-bas? Les gens de Jormo Joé? Jamais. Je ne suis. C'est vous qui venez parler d'elle ici. Moi, je ne parle pas d'elle. Oui? Si je veux voir Lolo, je vois Lolo quand je veux. Si je veux voir Fleur, je vois Fleur quand je veux. Attention. Si j'étais là-bas hier, on serait ensemble. On allait même prendre les photos ensemble, on allait même arranger nos problèmes ensemble. Mais j'ai dit que non. Vous me comprenez? J'ai dit que non. Les journées, arrête de mettre les têtes de mort. Est-ce que c'est toi qui mets ça? Arrête. Ah, tu n'importe quoi. Quoi? Je suis tellement orgueilleuse. Tu crois que si je partais là-bas hier, au délai, ça allait être comment? On allait que s'arranger, j'ai dit zéro paix, je ne pars pas. Les gens allaient faire en sorte qu'on s'arrange là-bas. Vous ne connaissez pas comment Facebook marche. Tu entends? Je suis resté ici chez moi. Je suis parti, tu m'avais vu au délai. Où êtes-vous là-bas? Vous venez parler. Je ne me déplace pas n'importe comment. J'ai dit zéro paix. Agnan, je savais que si je partais là-bas hier, la paix allait régner à Facebook. Et quoi, moi, je ne veux pas la paix. Ça reste comme ça. C'est toi. Elle te parlera plus jamais. N'allez pas parler, elle ne me parlera plus jamais. Oh, tu sais. Les noms des asticots de la République, les asticots de mains, des camions et tout, des PD, les machins. Oh, tu ne parles pas d'elle ici. Hein. Mettons un peu pause publicité, s'il vous plaît. C'est vous qui venez avec les noms ici. C'est vous qui venez avec les noms. Moi, je n'étais pas au courant. Vous croyez que moi je me déplace n'importe où? Je savais très bien que hier si je partais, on allait faire tout. C'est pas toi, hein? Parce que je crois que c'est toi, parce que c'est souvent toi qui mets les têtes de moi ici. Hein? Quand les gens me parlent, quand ils ne me parlent plus, ma vie va faire quoi? Si je partais là-bas, est-ce que vous allez voir une grande photo de famille? Veuve joyeuse, quel câble l'autre? Non. J'ai dit que non, je ne suis pas prête. Je ne vous manque pas. Vous me connaissez bien. J'ai un charisme, hein.
Elle va se lever, elle va pouvoir me saluer. Tu me connais? Non, laissez. Moi, j'ai, tout le monde m'a dit, la veuve, tu ne parles pas. J'ai dit non. Parce que je savais que si je pars, laisse-moi, les injures sortent seulement comme ça sort. Bon, on va mettre quel morceau? Je cherche les morceaux. Il faut que je mette les morceaux que. Battery 5. Connected to Galaxy IQ 4. Thank you.
chose dans ce. Voilà les morceaux qu'on a gardés avec C'est fou la vie. Hey, c'est fou fou la vie. Quand on saute les barrières pour aller danser avec les petits choux. Et parfois je me demande que mon petit choux, est-ce qu'il est encore vivant même? Hé, hey, mon petit chou, je l'avais aimé jusqu'à. Un petit bandit comme ça. Je ne sais pas, peut-être, je sais pas, peut-être si vous reconnaissez même encore. Ouais. La vie, nous sommes à la vie des jeunes. Hein. On est souvent dansé avec des petits choux. Ouais. Faut le voir, il y a un que si je le rencontre un jour, même le bonjour. Un jour, j'étais au Cameroun. Moi, voilà, je suis à quoi? Parce que c'est souvent comme ça que, comme. Enfin, si j'ai quelqu'un, quoi, je vois mon petit chou qui vient boire dans mon bar. Il ne me reconnaît pas. Je vois qu'il est toujours pareil. Pourtant, à l'époque, c'était le fils d'un. Dans le table, quoi. Non. Mais j'ai regardé encore moi, mais j'ai dit que. Hey! Mon Dieu. Donc, c'est le gars si que je mourrais derrière lui. Que Olivier Longchat, tu crois, Ben, est-ce que ça jusqu'à la solitude accompagne aussi? Ben, est-ce que ça, pourquoi? C'est vous qui trouvez les de Ben, est-ce que ça? Ben, est-ce que ça pour vous qui gardez les enfants de vos femmes? Quand vos femmes vont se prostituer, vous gardez les enfants dans les maisons. C'est stressant pour vous parce que l'enfant, quand l'enfant est encore bébé, les pleurs d'un enfant ne sont pas faciles à gérer. Tu comprends? C'est pas. Ben, il y a une façon de vivre, un choix de vie. Vous voulez que je vous montre qui est chez moi? Vous voulez que je vous montre qui baise avec moi? Je ne montre pas. Ben, est-ce que ça? Pourquoi? Vu que là, moi, je suis en direct là, avec vous. Je ne suis pas seul. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme assis comme moi, qui regardent. Oui, ce n'est pas ce que ça. Non, c'est un choix de vie. Sinon, tu ne serais pas parce que tu vas sortir chaque fois pour aller boire dehors, pour que tu vas montrer que tu as des amis, non? Moi, je me fais des amis tout de suite. Moi, je suis une personne que j'habite quelque part. Je ne reste pas 2 minutes, je fais mes amis. Parce que la conversation va souvent trop vite avec moi. C'est ça votre vie. Donc, vous allez partir, sortir uniquement parce que vous allez rester là où il y a des gens, non? Moi, je suis bien, j'ai ma télévision, j'ai mes cigarettes, j'ai vous qui me regardez et tout, et tout, et tout. Donc, voilà. Pourquoi? C'est parce que ça. Moi, ça ne me stresse pas. Hein? Oui. Si vous croyez que sortir, aller boire chaque temps, montrer que se filmer avec les copines, monter à Facebook, ça veut dire que non. Moi, je suis quelqu'un solitaire. Je préfère rester comme ça. Je préfère rester comme ça. Mais moi, j'ai la chance que à toute heure, je dis bien qu'à toute heure, je peux appeler n'importe qui, à toute heure, on va me répondre au téléphone. Si j'ai besoin de parler. Oui. Il y a des gens qui croient que parce que, maman, les gens qui sont seuls souvent, hein, sont des gens qui sont même beaucoup plus entourés qui sont seuls. Les gens qui montrent que ils ont des amis à Facebook, c'est quand tu as un problème. Quand j'ai eu des problèmes ici avec Fleur de Lyon, on est parti au tribunal ici. Moi, est-ce que je suis moi seul? Comme d'habitude. Et j'ai mes problèmes. Elle qui était entourée, et à l'époque, il y avait encore sa bande qui l'encourageait que viens faire les problèmes ici à la veuve joyeuse. On est d'accord là? Elle était seule. J'ai dit, mais où sont on les appelle comment les abeilles? Elle dit, maman, c'est comme ça, n'est-ce pas? On t'encourage, que va faire. Quand le premier arrive comme ça, tout le monde fuit. Ce sont les gens qui sont entourés, qui montrent que vous les voyez avec les gens qui sont souvent le plus souvent seuls. Parce qu'ils sont dans un monde que ce n'est pas leur monde. Mais elles sont obligées de faire semblant pour dire qu'elles sont avec eux. Moi, je ne peux pas faire semblant. Parce que ça ne marche pas avec moi. Donc, pour ne pas faire semblant avec vous, je préfère rester seul dans mon coin. Comme ça, je reste avec ma solitude. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Même les vrais stars qui ont des millions par mois. Vous les voyez, tout le monde les adultes, tout le monde regarde ce qu'elles font dans les réseaux sociaux, tout le monde regarde les films. Mais tu vas voir que quelqu'un assiste dans une maison avec les chiens et les chats, avec les femmes de ménage, les contremaîtres. Elle est seule. Quand elle sort, elle va aussi s'amuser et tout. La vie n'est pas facile. Qu'est-ce que vous croyez? N'est-ce pas voici assis ici? À l'aise, il y a des gens qui m'insultent quelque part là-bas. Pourtant, moi, je suis en train de bavarder. C'est ça, être star. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Quand vous croyez que parce que vous avez tout le temps dit que je vais. Non. Tu peux te trouver une ou deux ou trois amis autour
Moi, j'ai les amis, les familles qui m'aiment. J'ai des amis ici que ça n'est pas possible que je m'en vais. On m'appelle les billets d'avion, tout ce que m'a dit te reposer ici. Ici, mais c'est comme ça. C'est pas parce que les gens montrent que c'est pas tout le monde, c'est pas toujours des gens qui sont entourés, qui vous montrent qu'ils sont entourés là, qui sont. Ah non? Tu peux voir que tu as beaucoup d'amis, mais au fond, tu n'as personne. Au fond, tu n'as personne. Parfois même, tu as des amis, tu n'arrives même pas. Moi, j'ai des amis, mais il y a des gens que je ne peux pas me permettre de dire certaines choses. Oui, moi, je peux me confier à un étranger qui passe. Oui, je me confie à toi, c'est comme si je faisais une libération, que de me confier à une personne qui est de mon côté, parce que la personne va me trahir. Oui. Donc, moi, je préfère rester comme je suis. J'ai ma télé, j'ai mon banc de salma, j'ai mon vin, j'ai mes cigarettes, après ça, tranquille. Je fume ma part, je regarde mon film, je bavarde sur les cils. Oui. Je n'ai plus de problème avec aucun voisin. Maintenant, c'est le calme ici. Je prépare ma nourriture, je livre ma nourriture. Moi-même, je me déplace pour livrer ma nourriture. Je prépare, les gens viennent prendre eux-mêmes. Personne ne monte plus ici. La boisson, il dit qu'on monte, on boit ici. Ne fume plus les gens. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que c'est facile? Donc, vous croyez que parce qu'elle se montre qu'elle est. Non. Le même taux d'amis, quand elle sort là, qu'il est salé, le même taux aussi, comme salé aussi. Oh, vraiment, je vais. C'est comme ça. Les mêmes gens qui embrassent, les mêmes gens m'embrassent. C'est comme ça. Les mêmes gens qui embrassent, ça, les mêmes gens m'embrassent. Oui. Chaque personne a sa part. Ses favoris, c'est les gens qui l'aiment bien, c'est tout. C'est pas obligé d'aimer la veuve, c'est pas obligé. Donc voilà. Donc vous dites que. Et vous avez tué votre petit mot là. Oh, le stress tue les gens en bain. Le stress de quoi? Je suis désolé. C'est vous qui amenez le stress dans vos vies parce que vous avez les grandes réalisations dans vos têtes. C'est ça. Quand tu as les grandes réalisations dans ta tête, tu es obligé de faire beaucoup de choses. À cet effet, tu ne dors pas bien. Tu vas commencer à mettre des tramodors, tu commences à te droguer. Hein? Seul. Oui. Parce que maintenant, les blancs, ici, quand ça ne va pas, hein? Tramodors, codéine. Quand tu bois des trucs comme ça, c'est pour aller où? C'est pour te lever pour aller travailler. C'est pour t'affaiblir encore plus. Moi, chez moi, j'ai décidé ici. Il n'y a même plus les gars ici. Je ne veux plus entendre parler. Ce sont les choses qui te font en sorte que tu deviens indépendante. Il faut changer la veuve. Greg et Tundi, je veux changer par rapport à quoi? Explique-moi. Dis-moi. Tu peux me dire, Greg et Tundi. Bon, là on est avec toi. Dis-moi, je dois changer de quelle manière? Explique-moi. On t'écoute. Ben oui. Et si tu veux, tu peux appeler. Hein? Oui, tu peux appeler si tu veux. Mon numéro c'est 06 11 78 95 59. Donc oui, il faut me dire, ne venez pas souvent parler. Il faut changer la veuve. Ok, je dois changer de quelle manière? Je dois changer quoi? De quelle façon? Explique-nous. Ben oui, il y a toujours un moyen de s'occuper. Oui, toujours un moyen. Tu peux aller, tu peux quitter chez toi, tu as des 10 euros. Tu peux t'asseoir là-bas chez chéri. Tu prends les trucs là, tu commences à gratter. Maman, tu gardes tes 10 euros, 20 euros, pas, tu es contente. Les stress pas. Hein? Vous restez là, attends. Je vous ai dit qu'il y a le euro million, il y a les. Même si vous allez gagner, vous me donnez des, ce n'est pas grave. Quand vous avez 2 euros là-bas, vous passez là avec le tabac, tu pars, tu jettes même 2 euros chez Euro Million ou bien chez Loto. Tu ne sais pas que ça peut arriver chez toi. La paix apaise le cœur. Qu'est quoi? Quelle paix? Apaiser quel cœur? Le cœur de qui? Hein? Donc tu crois que moi je suis en paix avec moi-même? Tant que je suis en paix avec moi-même, le reste là je ne regarde pas. Moi je dors, mais je mange, mais je dors, mais je baisse, mais je fais tout bien. Pourquoi vous voulez que je m'arrange avec les gens? Je ne m'arrange pas avec eux. Et rien. Elles n'ont pas besoin de moi. Pourquoi? Si maintenant tout le monde fait la paix, vous voulez que la toile camerounaise entre les stampes à Katana, ça devient quoi? Hein? Moi, je suis un financeur d'État. Je ne veux la paix avec personne. Zéro paix. J'ai dit que oh, c'est donc c'est pour ce que tu voulais parler. Hein? Pardon. Va loin avec ça. Influenceuse d'État. La paix de quoi? Vous voulez quoi? Parce que vous dites que je ne suis pas l'obstacle de vos vies.
fait qu'ils se rallient, quand tout le monde se rallie, elles font leur grande soirée. Avec tous les stars, elles invitent tous les stars. Elles invitent même les gens qui l'envoient pour dire que je suis star là. Je n'irai pas. Et tant que la veuve joyeuse n'est pas dans une soirée là, c'est juste ce genre de soirée, rien ne va se faire. On va demander où est la veuve. Non. Je me mélange par la racaille. C'est quoi? On est pareil. La paix apaise le cœur. Je dis que j'ai un problème avec eux. Dans ma tête, moi, je suis bien. Hein. Je suis bien dans ma tête. Hein. Zéro paix. Oui. Moi, je suis ma zéro paix. Allez faire vos paix là-bas. Quand qui commande? Oui, il faut bien faire la paix. Mais la seule personne qui est là pour dire qu'il faut la paix, c'est qui? C'est Kankan parce que c'est elle qui veut diriger. Moi, Kankan ne peut pas me diriger. Voilà le problème que je vous dis. Elle ne peut pas me diriger quoi que ce soit. Jamais. Parce que la dope vous dit que ouais, mes soeurs, faites la paix. Vous, la paix de, je dis que Kankan, aucune paix avec moi. Aligne-toi avec les restes là. Moi, je ne m'aligne pas. Qui? Tu ne peux pas m'aligner à ce sujet? Je ne peux pas m'aligner. La peau du. Là, je dis que la paix de l'hypocrisie. Après, ça va devenir que on fait une tontine des blogueurs. Et après, ça va devenir qui? Je ne suis pas dans vos choses-là. Ah non. Mais je vous dis. J'ai fait ma chose seule ici. Je suis influencée seule. Mais. Il y a maintenant. Non. Parce que je sais. Si on dit qu'on fait la paix, et qu'on dit ça, on dit que c'est moi qui commande. Hein? Voilà. C'est là que ça va aller mieux. Si ce n'est pas moi qui commande, hein, rien ne va se passer comme il faut. Parce que je suis déjà connu. Tout le monde me connaît. Moi aussi, je peux être. Moi aussi, je peux commander aussi, non? Alors, si ce n'est pas moi qui commande à votre paix là, qui va accepter que la Warres, je dis, qui va devoir accepter que la voix joyeuse commande, mouffe la dictature de ça, je veux le mettre au paquet. Hey! Ouais, comment vous riez, au moins je vous fais rire. Ouais, quand on dit que c'est moi qui commande un casse. Que voilà qu'il parle la veuve. Hein. La veuve, c'est instable. Hein. Fais attention parce que moi je la connais. Ouais. C'est quand toi, tu vas dire bébé. Attends, moi je vais dire la veuve commande. Tu as direct. S'il faut la paix, est-ce que c'est moi qui commande? C'est tout. Si je ne commande pas, il n'y aura aucune paix. Ouais. Ouais. Moi-même, si je sens seulement des conneries comme ça, ou. Vraiment, si je suis tellement inspiré que je sens seulement des conneries. Qui commande sur les je te dis que c'est que je veux seulement envoyer les écrits à Max Zuckerberg de le dire la personne sur Facebook. C'est que quelqu'un va tousser. Tu tousses. Non, là c'est zéro paix comme ça parce que. Ouais. Vous me faites rire, moi, mais j'ai. Ah, le commandement de ça. Ah, je dis, pac, va sortir. Hey! Aïe. Que quoi?
ça, les bassins vont sortir. Les babiques sortent. Les quoi, les tout le monde va sortir. Pourquoi? Il y aura la révolution. Les faux profils vont renaître encore. Ils vont encore revenir. Ils vont devenir encore chaud, chaud, bouillant. J'ai pas chaud, chaud. C'est là alors qu'on va me tuer une fois que Roua. Oh là là. Franchement, bah c'est quand même bien de rigoler quand même. Hein. Quelle idée. Oui, on me dit président des blogueuses, que c'est la voix joyeuse. Et j'ai envie que. Et tu vas entendre que Mion reste dans zéro paix. Elles vont dire que Mion reste dans zéro paix. Elle là. Tu entends que Mion, je quitte Facebook. Je voulais traiter. Civilisation Sao. Quoi? Marcel, tu dis que j'arrête de boire. Là, comme mon ventre pousse. Ça te dérange quoi, mon ventre? C'est ton père qui me niasse ou c'est ta mère que je lèche? Qu'elle qui me lèche? Si tu n'as rien à dire, tu quittes mon mur, d'accord? C'est mon ventre. Et ça restera comme ça, que ça te plaise ou pas. Je ne te connais pas. Vous êtes comme ça. Vous allez créer les petits faux comptes. Vous voyez comment les gens sont en joie. Ça vous fait mal. Les malheureuses comme vous. Ça vous fait mal. Vous n'avez pas parlé. C'est mon ventre. Je me lève, mais je te montre bien mon ventre. C'est mon ventre. Oui. Avant de me juger, viens me voir en vrai. Si tu vas trouver le ventre ici. Viens me voir en vrai. Si tu vas voir le ventre là. Tu entends? Va chez la diarrhée chez toi. Tranquillement. Ici, on n'est pas avec toi. Tu as fini de mettre les têtes de mort. Maintenant, tu cherches le ventre. Regarde ton ventre. Mon ventre avec quoi? Je suis une très belle femme. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Quand l'homme couche là avec toi là. Tu as même dit les femmes qui sont gros comme ça là, les hommes les pénètrent. C'est moi, avec mon petit ventre ici qui est sorti, que ça ne va pas entrer. Hein? Ah. Laissez-moi, ils ont les ventres de basket, je suis pas au courant. C'est votre problème là-bas. Vous savez, vous pouvez mettre les têtes de mort, ça ne me dérange pas du tout, mais sachez que moi je vais vous bloquer après. Parce que vous êtes des lâches. Vous n'aimez pas la joie, vous n'aimez pas la paix, vous n'aimez rien du tout. Moi, ici, dans mon ici, je suis la paix avec mes internautes. Je suis la paix avec mes warriors qui me regardent. Tu m'entends? Ça ne vous plaît pas? Parce que je vous ai dévancé, j'ai mis mon écharpe d'influenceuse blogueuse d'État. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Je ne me rallierai jamais avec vous. Et j'ai dit à Facebook, je vous ai dit que je ne me rallierai jamais avec eux. Qu'elles font leur paix là. On va voir là où ça va arriver. Les tatans, ça ne marche plus. Les perruques, lui ne marche plus sur eux. Écoutez-moi très bien. J'étais très belle avant, Marcel. Moi, j'ai pris du poids. Donc, je ne te connais pas. Alors, dégage de mon mur. Bac. On te bloque. Va réfléchir avant de revenir ici un jour. Oui. Parce que vous êtes des erreurs que quand tu m'as dit à parler de ton nom, tu reviens encore pas, je fais Pâques. Et je te bannis en même temps. Donc vous allez me regarder maintenant à YouTube. C'est là-bas que tu allais regarder mon. Tu vas parler de mon gros ventre à YouTube. Ici, c'est la joie. On devrait même mettre la joie. J'en ai même mis la mesure. Ouais, les virus, virus. Attends. Attends, je vais regarder quelque chose. Hé, il y a encore du temps. Ah, vraiment. La paix du manioc à Facebook. Il y a quel autre événement là-bas? À Facebook. Je ne réponds pas aux gens, les non-événementiels. Avant, je disais que je suis non-événementiel, maintenant je suis événementiel. Parce que moi, je suis déjà devenu influenceuse de blogueuse d'État. Et je commence à voyager la semaine prochaine. Pour avoir mon écharpe, pour aller représenter le Cameroun en tant qu'influenceuse de blogueuse d'État. Et je veux représenter tous les Warus. Tous les Warus. Voilà. Donc, je ne suis pas bête. Si vous voyez que hier, je ne suis pas parti au deuil. Il faut me demander pourquoi je ne suis pas allé au deuil. Qui m'a posé la question? Vous m'avez vu au deuil? Mais voilà, vous ne me posez même pas de questions. Est-ce que vous m'avez vu au deuil? Je ne pouvais pas partir. Parce que si je voulais la paix,
J'allais partir, mais je ne voulais pas partir à Saint-Denis. Je suis désolée, mais j'ai quand même cotisé 50 euros, c'est beaucoup, non? Alors. Amazing. Maman n'a zéro paix. Au moins, la toi camerounaise, la toi camerounaise vit un peu de intensité. On parle un peu de moi. Pose publicitaire. Oui, pose publicitaire. Ici, on garde derrière le poisson bleu. On est quoi? Demain, c'est 15 jours. Dimanche. Ah oui, c'est lundi que les gens viennent manger. Mais oui. Le niveau était élevé. Le niveau de quoi? Alexis Ngonga. Quel niveau? Bon, tu peux me demander, tu peux me dire de quel niveau. Le niveau était élevé ou au day? Donc, vous voyez vos niveaux élevés là, dans les day? Dans les day? Bon, le niveau était élevé où? Pour moi? Non. Je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas, je te dis. Le niveau était élevé où? Donc, vous voyez le niveau élevé même dans les day? Eh bien, dis donc. Tu as atterrissé. Parce que je voulais partir là-bas avec mon Tuxi. Mais c'était un deuil. L'enfant est quand même mort. On l'a poignardé devant la porte de sa mère. C'est même pas pour aller monter les stamps Blakata qui vont au deuil. Quand tu vas dans un deuil, ce genre de deuil là, qu'il y a eu le sang coulé. C'est pas un endroit qu'il faut aller montrer que je suis. Non. Moi, je ne me mélange pas. Je connais toutes ces deux femmes-là. Oui. Vous savez ce que c'est? Quand on vient poignarder l'enfant devant la porte. Le jour là, je suis rentré du Cameroun. Vous vous souvenez? Je suis parti, quand j'avais ma petite coiffure, j'avais mes petites tresses comme ça là. Je suis parti en mariage. Le mariage a devenu Aléa Yanga. J'ai même dansé avec sa mère. J'ai dansé avec sa mère. Imaginez. Elle rentre chez elle, trouve son enfant ensemble. On l'a poignardé devant la porte de la maison comme la porte ici. Et c'est ce genre que le niveau était élevé parce que les stambagas sont partis. Non, qu'elle parte. Le niveau était élevé à quel niveau? Oui. Parce que j'ai fait la publicité que je veux partir. Oui. Vous avez vu le nom pour dire dans un deuil. Oui, j'ai son ami dans le deuil. C'est leur problème. Le niveau est élevé. C'est un niveau qui est élevé. C'est leur problème là-bas. Je ne suis pas parti. C'est ça qu'il faut retenir. Mais j'ai cotisé. Vous comprenez? Je me mélange pas avec la racaille. Tu non? Lydienne. You. Lydienne, c'est toi ma soeur. C'est toi. Popo, c'est toi? ma soeur. Non, mais je ne veux pas les répondre, mais bon. Parfois, il faut les répondre parce qu'elles veulent. Si vous savez, ce sont les gens qui veulent qu'on parle de leur star. Parce que c'est ça. Le niveau était élevé au deuil. Vous savez ce qu'on appelle quand on vient tuer quelqu'un devant ta porte? Moi, je ne me mélange pas. Le niveau devait être encore élevé si la pauvre Joëlle venait. C'est là où le niveau. Si l'influenceuse d'État venait, c'est là où le niveau allait être élevé, que tous les stars sont venus. En dehors, les deux, là, il y avait une autre star qui est venue. Je me demande. Vous partez n'importe quoi. Je connais OD, j'ai fait les tortures ici avec OD, c'est une copine. Elle conduit. Elle vient seulement déposer ici. Non, moi, je ne suis pas parti. Pourquoi? Donc, on va venir faire les concurrents dans les deuils. C'est dans les deuils que les niveaux sont élevés. Allez, vous voyez, je suis assise ici chez moi. Rien ne me manque pour sortir, rien du tout. J'ai dit que zéro paix. Allez faire vos niveaux élevés là-bas dans les deuils. Popo! Santé, Popo! Ça me fait plaisir que tu sois là. Comment tu vas me lâcher là? Yvidienne! Mako! Popo, Popo! Non, je ne les réponds même pas. Tu as bien raison. Popo! Oh, la riche de Paris! La milliardaire, oh! T'as ton milliardaire! Popo de Popo! Franchement, ça s'appelle comment ça? Eh bien, dis donc. C'est très bon. Amazon Bumba, bonjour. Bon, je voudrais savoir que je suis devenue influenceuse d'État, blogueuse, influenceuse, blogueuse d'État. Je ne veux pas répondre aux petits gens qui viennent m'attaquer ici parce que vous voulez que je parle de vos maniocs là. Ce ne sont pas, ce n'est pas ma qualité. Oui. Quand vous parlez de niveau élevé, le niveau était, ça devait être encore plus élevé. Si la voix joueuse était là, c'est tout.
Mais oui. Mais j'ai dit que les gens se sont levés pour partir là-bas. Ben, on voulait quand même peut-être tout à l'heure doucement un coup de poing là-bas. Et là, j'ai la jalousie. Si les gens, et qu'elles étaient déçues de ne pas me voir là-bas, parce que la façon que j'ai porté le cabaret, c'est là que j'ai dit que, oh, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. J'ai fait le désordre, bon, elles sont arrivées là-bas. C'est ce qu'elles regardaient, elles étaient tellement déçues. Elles regardaient la porte là-bas, je les ai, parce qu'on me connaît quand j'avais que passe la joie. Mmh. Mais Anadine, eh, merci Anastasie Brandt, merci ma soeur. Je sais pas pourquoi, mon popo, non. Notre popo. Mes soeurs de là sont tu là et moi. Mes soeurs de là même. Et même comme je suis, elles ne me jugent pas. Je vous aime aussi. Vous voyez l'histoire, c'est si j'ai parti là-bas hier. Ça veut être maman. C'est être que je ne suis pas parti parce que j'anticipe les choses. Je voulais que tout le monde parte là-bas. Mais ça a donné quoi? Ça devait être le high level. Si on me voyait la voix joyeuse là-bas hier, ça devait être le high level. On dit que voilà là, les blogueuses. Vous cherchez quoi là-bas? Alors, vous n'avez pas. Vous n'avez, elles sont déçues parce qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Qui vous dit même que si elles partent là-bas, elles n'allaient pas m'agresser là-bas hier? Elles n'allaient pas m'agresser. Merci. Merci, mes sœurs Douala. Vous ne me jugez pas, vous me mettez comme je suis. Oui. Vous me mettez comme je suis, mes sœurs Douala. C'est bien. Vraiment, merci beaucoup. C'est pour ça que moi, je vous aime. Vous êtes les femmes type s'en fout. Vous n'êtes pas là, vous ne calculez pas les tchotchori. Vous avancez dans vos vies. Vous faites ce que vous voulez dans la vie. Vous n'aimez pas les gens là, il y a d'abord les désordres. Les Douala, d'abord, n'aiment pas les désordres. Maman, c'est devenu la fête là-bas au deuil. Alors qu'il y a un enfant qui vient, on vient de finir un enfant. Véronique, maman, c'est comment? Maman, elle rêvait, mon Dieu, que les rêves des gens, souvent, c'est la veuve joyeuse. Elle rêvait me voir là-bas hier. Mais la veuve joyeuse, elle a dit que non. Je reste chez moi ici. Je ne suis pas partie. Donc, la star, c'est moi. L'influenceuse d'État, c'est moi. Parce que s'il y a même eu beaucoup de gens là-bas hier qui sont partis à ce dé-là. Parce que moi, j'ai joué ici. J'ai même porté mon cabas que je pars. Je ne suis pas parti. Parce que quoi, quand j'allais voir les deux danser ensemble, les AIM soeurs, voilà, vous jouez seul là-bas. Mais vous n'avez rien eu. Vous croyez que je veux partir là, vous m'attendez? Non. Je me déplace pas n'importe comment. Donc, quand c'est des temps, comme on a vu que c'est des temps, je m'en vais dans les mariages, je vais dans les anniversaires. Moi, j'ai déjà fait deux mariages. Du coup, Kalaba, elles étaient déçues. Je devais être finie. Oui, pour me choquer. Elles étaient déçues de ne pas me voir. Donc, dégage ici. Imbécile. Oui. Oui. Mais parce que, oui. Parce que, là, attends. C'est vous qui venez parler d'elle ici dans mon truc. Vous comprenez? Que apparemment, hier, je suis au courant. Mais c'est moi j'ai parlé d'elle. C'est vous qui venez me dire, vous venez me dire comme quoi, hier, elles étaient ensemble. Mais c'était au deuil. Mais est-ce que vous m'avez vu là-bas au deuil? Aujourd'hui, dans la journée, j'ai fait un dialogue où j'étais en verre là. Vous m'avez posé la question que vous, tu étais au DG, j'ai dit oui. Et vous savez très précisément que je n'étais pas au deuil. Mais je vous ai dit oui. Et c'est passé sur ça. Je suis n'importe qui. Qui? Non. Elles ont dit que ma, allons-y, comme Bringo sera là, elle va nous voir ensemble. On va faire ça du là-bas. Vous avez fait ça du pour vous seul, avec vos gens. Et vos followers, mais vous n'avez pas vu la veuve joyeuse? Non. Parce que je vous ai dit, je me suis allé déplacer deux fois. J'ai dit bien que deux fois. Je suis parti en mariage, trois fois même. Mariage, je sors du Cameroun, je pars au mariage, je ne pas encore notre mariage, je pars à l'anniversaire. Pour moi, c'est tout, les sorties des Africains, c'est tout. Pour moi, c'est bon là. Je reste chez moi. Oui. Je savais que vous allez être là-bas. Non. Bon, écoutez, je ne veux pas les injures ici. Mais Madeleine Mani dit Dia et Lobo. Et la personne vient mettre les têtes de moi, pourquoi? Mais je suis de Dia et Lobo, bien sûr. Pourquoi quelqu'un vient dire Dia et Lobo? Toi, tu viens mettre les têtes de moi. Vous voyez, on ne peut pas progresser comme ça. Tu viens mettre les têtes de moi, pourquoi? Retire les têtes de moi que tu as mis. Ça sert à quoi? Je suis de Dia et Lobo, non? Hein? Ça change à quoi?
Non, je me mélange plus, c'est bon. Oui. Mais je ne comprends pas. Hein? Quelqu'un dit que l'autre vient dit que je suis une dé. Est-ce qu'on va mettre les têtes de mon dé? Parce que ici, quand tu dis que tu es une dé, tu mets les têtes de mon, ça devient le problème. Toi, tu, quelqu'un dit que je suis une dé, toi, tu viens mettre les têtes de mon. Ce n'est pas bien. Hein? Mais pas tout à l'heure, quand j'ai commencé mon dé, j'ai dit que je suis blogueuse et car du sud boulot. Est-ce que vous avez les têtes de mon? Parce que c'est comme ça. Hein? Je suis boulot, non? On va faire comment? On dit que Jay, là, vous mettez les têtes de moi. On dit que vous, c'est comme ça que vous êtes. Et quand tu vas voir une personne qui fait mes têtes de moi, c'est une personne que tu connais même très bien. Ce n'est pas bien. On est quand même libre de dire que je suis DJ. Là, on est libre de dire que je suis Douala, je suis Jindé, je suis Côtière, je suis. Bah, c'est pas moi. Attends. Je suis du littoral. On est quand même libre quand même de dire. Non, arrêtez. Vous voulez qu'on avance comment? La paix chinoise. La paix chinoise de ça. C'est la première fois de se rencontrer, c'est pour ça. Mais nous tous, nous sommes du Dieu, là. Moi, je suis du Dieu, moi, je le revendique même. Parce que c'est un problème. Je suis d'Adamawa aussi, mon père, est nordiste. Je suis d'Adamawa. C'est quoi? Arrêtons un peu de ramener. Parfois, il faut faire un duel comme ça. On rigole, comme tout à l'heure, on rigole bien. On passe un bon moment. On danse. On passe du bon moment. Des bons moments, c'est tout. C'est pas forcément que chaque fois il faut tuer qu'on ramène dans le tribalisme. Donc, parce que c'est pas bien. Quelqu'un dit que tu es le Dieu, toi tu viens mettre les têtes de moi, ce n'est pas bien. Avance, on a dit que maintenant là, on va avancer ensemble. Mais on sait maintenant qui est qui. Il y a Ami, non? Minou, s'il te plaît, renvoie-moi le. Attends, je m'en vais. Attends, je vais aller. Attends, je vais aller voir. Attends, c'est dit quoi? Non, moi j'ai un monnaie direct. Ah, madame Dan, non? Je suis à la maison. Monnaie direct. Monnaie direct, toi. Madame Dan, il n'y a pas de soucis, madame Dan. Bisous. À demain, bisous. Attends, je vais mettre le morceau de Douala là. Oh, j'adore ça. Parfois, vous passez un bon moment comme ça, sans toutefois venir toujours parler de même genre. Telle a dit que tu es jalouse. Oh, oh, oh. Telle a dit que tu as fait que. Oh, que. Biouya. Vous croyez que je vais partir là-bas? Arrêtons. Progressons ensemble, faisons notre petite vie ensemble. Maintenant, il faut suivre les gens qui vous suivent. Si la femme joyeuse, vous aimez la femme joyeuse, suivez-moi. Si vous aimez Fleur de Lille, allez suivre Fleur. Si vous aimez Lolo, allez suivre Lolo. Vous aimez Ngosa, allez suivre Ngosa. Les restes des petits sodos, là, allez les suivre si vous voulez vous aimer. Vous n'avez pas le droit de venir amener les noms des gens dans mes directs parce que nous, on parle d'autre chose ici. En rigolant, je suis désolé pour vous. Et c'est comme ça que vous êtes après quand on va commencer à vous bloquer. Ça va devenir que oh, la voix, je n'aurai pas son temps à bloquer les gens. Oui, je dois bloquer, je dois vous bloquer. Ce n'est pas bien. On veut bien, je peux parler de Fleur de Lila maintenant, là, comme d'habitude. Pour rigoler, on va rigoler. Je parle de l'eau pour rigoler, on va rigoler. Mais les gens qui vont entendre leur nom ici, oh tiens, tu es comme ça. Tu ne peux pas faire un direct sans parler d'elle. Tu ne peux pas faire un direct sans faire ceci. Non. Hein? Vous comprenez? Je peux parler des autres blogueuses, parce que moi je les appelle tous les blogueuses, mais bon, les stand-backers, je peux parler d'elles si je veux. Je peux maintenant prendre le cas de Marie-Christine, je peux parler le cas de qui je veux dans les réseaux sociaux. J'ai le droit de le faire. Comme vous aussi, vous avez le droit de commenter ou pas. C'est comme ça. Vous aimez tout la zizanie. Vous avez été déçu hier, malheureusement pour vous, échec et mat, parce que je n'ai pas mis les pieds. Ça, c'est un échec et mat. Parce que la seule personne que vous rêvez là-bas voir, c'est la veuve joyeuse. Que ça vous en plaise, que ça vous déplaise ou pas. C'est moi que vous devez vous attendre là-bas hier. Que je viens confirmer comment les deux ayams se sont arrangés. La paix du manioc, la paix du gombo, la paix de l'hypocrisie. Je ne suis pas. Même l'hypocrisie est étonnée de cette paix-là. Et que l'hypocrisie même est étonnée de cette paix. De l'hypocrisie à la con. Vous comprenez? Échec, je vous ai fait échec et mat. Ce qui est sûr, c'est ça. Je n'étais même pas au courant. C'est vous qui venez parler ici. Je n'ai aucun droit dans les musiques,
jouer dans cette vidéo, s'il vous plaît. Je répète, I don't copyright on this music and play for this video. Je n'ai pas le droit d'auteur dans les bisous jouer dans cette vidéo. Adam, enfin, bref, vous avez compris là, ce que j'ai dit. C'est tout. Bon, d'abord je dédie ce morceau à tous mes amis Douala du monde entier qui me regarde à cette heure-ci. J'ai bienvenue à vous. Et je parle ma part d'anglais, ils ont compris, c'est tout. Donc voilà, ça sera mon secret. Je dédie uniquement à mes amis, frères et sœurs, Douala, du littoral, Douala. Voilà. Attends, je ne sais pas, peut-être c'est le téléphone qui est comme ça. Le téléphone qui est comme ça. Français, c'est pour ça que je mets les trapos, parce qu'aucun douala n'est camerounais. Attention, il faut faire attention, aucun douala n'est sans papier. Hein. C'est pour ça que je mets les drapeaux, c'est parce que les drapeaux, c'est les drapeaux des douala. Les douala sont français. Attention. C'est vrai, c'est rare de voir une femme douala qui n'est pas français. Donc, ça c'est... Quand je veux soit mettre les drapeaux, c'est les drapeaux des douala. Parce qu'ils sont eux français. Les douala voyagent la nuit des temps. Nous, on est arrivé hier. C'est pour ça que tu sais, quand quelqu'un assiste quelque part, quand tu assistes quelque part, tu ne bouges pas, tu ne parles pas fort. On est d'accord, non? Attends. Là, c'est le drapeau des doigts, là. Nanti, Amuto. Quoi, Nanti? Mais c'est marrant.
Franchement, j'ai mis des... J'ai fait des années à Douala. Je ne sais même pas parler un seul mot Douala. Ben, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou c'est ma tête qui est due, ou je ne sais pas, ou je ne voulais pas, je ne sais pas. Et j'avais des amis Douala, mais je ne sais pas. Bon, c'est arrivé, mais je connais Douala. Je connais Gonsamba. Je connais beaucoup d'autres villes du Cameroun que Yaoundé. C'est maintenant que je découvre même Yaoundé. Oui, maintenant je découvre un peu Yaoundé, oui. C'est maintenant que je découvre Yaoundé. Donc voilà. Donc sur ce, on va se quitter. J'espère qu'on a passé une bonne et agréable soirée ensemble. Donc je vous dis bonsoir. En tant qu'influenceuse blogueuse d'État, j'espère qu'on s'est bien amusé aujourd'hui. Et les Douala sont aussi beaucoup suisses aussi. Il me faut le drapeau suisse. Mais je n'ai pas acheté de drapeau suisse. Je crois que j'ai des mouchoirs suisses ici. Je dois honorer tout le monde. Je dois honorer parce que les Douala sont aussi beaucoup suisses. Les Douala sont beaucoup suisses et beaucoup français. Donc, voilà. Donc, on va se quitter avec tous les Waros qui sont en Suisse et les Waros qui sont en France. Les Waros Douala, Douala Suisse. Parce que ce ne sont pas n'importe qui. Les Douala, lui, n'est pas n'importe qui. C'est ce que j'ai envie de prendre. Je t'ai dit, il faut m'apprendre. Vraiment, ça me fait honte. Maman, non, maman, je dois parler couramment Douala, ma chérie, tu m'as connu. Avant que tu me connaisses, j'ai Douala avant toi. Mais j'ai Douala, bien sûr, mais bon. Comment ça se fait? Tu me parles Banganté, je peux parler Banganté. Oui, je parle Banganté. Oui. Parce que j'ai grandi au quartier Banganté là-bas, à New Bell. Je connais un peu et tout. Oui. Parce que le Banganté est très facile à parler. Hmm? Le Bassa, alors, hein. En tout cas, le Bassa, je comprends un peu. Oh. Sur ce, je vous remercie. Je remercie à tous les gens qui ont suivi notre petit direct ce soir. J'espère que ça vous a fait plaisir. Que, voilà, ce sont des directs comme ça que moi, je veux qu'on continue à faire. Voilà. Nous, on n'est pas là pour sensibiliser qui que ce soit. Chaque personne a son thème dans les réseaux sociaux. Moi, je suis une influenceuse de beaux états. Et puis, je n'ai plus envie que les gens viennent me dire que tu sais la veuve, telle personne a parlé ça de toi, telle personne a dit ça de toi. Je ne veux plus entendre. Moi-même, j'ai beaucoup de directs. J'ai beaucoup de téléphones. Je sais quand ça ne va pas. Je m'en vais à YouTube. Je regarde ce qui se passe. Hein? Mais voilà les Douala, les deux Douala. Les Douala sont suisses. Parce que les Douala ont les papiers. Donc, ils sont suisses et français. Les Douala ne sont pas camerounais. Attention. Ce sont des gens. Très. Parce qu'eux, ils ne se mélangent pas avec la Bourbon. Ils sont pas. C'est là, Dieu de la peau ici, suisse, français. Moi, je suis encore. Eh Stella, ne te gueule pas, disons Stella Mougou. Eh Anya, moi je suis camerounaise. Anya, il faut que tu dis on gada. Tu dis, c'est même toi qui dois venir me mettre le vrai titre d'influenceur de blogueuse d'État. Un tout bangon, un Stella Mougou. Un tout bangon et quand? Eh Anti. Pas il ma Facebook, pas il m'a envoyé à me tuer à Facebook. Il les a fait échec et matière. Donc sur ce. Comme j'attends du monde là, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée. J'espère qu'on a passé une bonne soirée ensemble. Et puis, bah, on va continuer comme ça. Oui, on va faire des fous rires, on va rigoler. On va... Oui, ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de rire parce que vous savez que c'était des temps. J'étais vraiment trop et très stressée depuis hier. Et là, moi, j'ai ri un peu. Ça m'a fait... Ah oui, il faut venir. Non, tu dois venir me mettre les vrais titres. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Bonne soirée à vous. Dormez bien. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, hier, ne partez pas. Je vais vous dire un truc. Hein. J'ai fait certaines erreurs hier dans mes directs. Hier, les gens ont signalé ça. Facebook m'a écrit. Facebook m'a envoyé le nom. Facebook m'a demandé est-ce qu'ils bannissent les gens qui ont signalé ma page hier. Ma page était signalée hier. Oui, cette page a été signalée hier.
Les directs, les deux directs que j'ai fait de la journée là, avec mon chemise rose là, ça a été signé hier. Oui. Oui, Facebook, Facebook n'est plus comme ça. Après, j'ai signé un accord de confidentialité avec eux. Oui. Oui, j'ai demandé qu'on bloque les comptes. Donc, si on a bloqué, si les gens vont se plaindre qu'on a bloqué le compte. C'est pas moi, c'est Facebook. Parce que vous êtes parti signaler. Vous signalez quoi? Je n'ai même pas encore monétisé la page. Ma page n'est pas monétisée, je n'ai rien. Parce que vous ne voulez pas me voir. Mais le jour où ma page sera monétisée, ça ne serait plus la même page. Ça serait business car business Facebook. Vous comprenez? C'est business. Oui. Vous signalez quoi chez la Veuve Joyeuse? Je vous donne la joie de vivre, au moins vous passez un bon moment. En tout cas, bref, on va parler de ça demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne, agréable soirée. On est ensemble. Et merci encore à tous les gens qui m'ont regardé ce soir. Merci à vous. On a rigolé ensemble. Merci à tous. Et vous aussi, merci si je vous ai fait passer un bon moment. Écoutez, bon, encore bonne nuit. Je vous aime beaucoup. Que Saint-Michel Archange vous garde dans ses ailes. Parce que c'est un ange qui a des ailes protecteurs. Et que vos maisons soient bénies par le sang de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à vous. Je vous aime. À demain. Merci.